On n'a pas de time, on n'a pas de temps à perdre, on n'a pas de temps à perdre, bouh. Non, je m'a pas fait peur. Bonjour à ceux qui débarquent. Allez, on est parti pour l'Océane, parce que bon, hein, voilà. Non, parce que hier, c'était très sympa, on a fait l'épisode où on arrivait sur Carmin-sur-Mer. Mais ce qu'on veut et ce qu'on attend, évidemment, j'espère que vous entendrez pas trop les travaux, il y a des travaux juste à côté. Ce qu'on veut, évidemment, c'est aller à l'Océane. Si jamais vous entendez le bruit des travaux, n'hésitez pas, je monte le son du jeu. Voilà, parce que je sais pas ce qu'ils sont en train de ficher avec leur marteau-piqueur. Si, je sais ce qu'ils font, on en avait parlé l'autre jour. En fait, ils font passer des câbles, et puis après, ce qu'ils font, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont oublié des câbles. Donc ils en remettent, etc., etc., hein, jusqu'à épuisement des stocks. Donc, allons-y. La tenue de marin. Ah, mais l'océan, tellement cool. Mais, voilà, si vous entendez trop, n'hésitez pas à me le dire, évidemment. Oh, regarde-moi ça. Trop cool. Ouais, j'avais trop hâte parce qu'en fait, on a pas mal de combats. Je pense que ça sera vraiment un épisode complet, l'océan. Parce qu'il y a tellement de choses à faire à l'intérieur. Et puis, on fera le truc après. Oh, c'est insupportable. C'est toujours dans ces heures-là. Salut les nains. Je pensais pas vous trouver ici. Salut Blue. Est-ce que je pourrais pas un petit peu bouger ma caméra? Attendez. Voilà, là, on est quand même mieux. Ouais, je vais peut-être monter un peu le son. Non, je pense que le son est bon. Je pense que vous entendez pas trop ce qu'il y a autour. Un sablé Yantred. Oh, j'ai le sol qui tremble, s'il te plaît. Je vais monter un peu le son du jeu. Voilà. C'est mieux pour vous. Allez, la Team Rocket, ça vous dit quelque chose? Ouais, ce sont des méchants. Ok. Je pense qu'on fera un épisode sur l'océan et un épisode après pour aller battre, évidemment... notre cher ami, vous entendez pas, c'est très bien, c'est très bien. Moi, j'ai le truc qui vibre. Salut à ceux qui débarquent, hello. Alors, allons-y, allons affronter tout le monde. Madame, bonjour. Tu veux te reposer un moment? Ah bah, vas-y, bah... Oui, bah, à la base, j'étais venu pour faire des combats, mais si tu veux que je dorme dans ta chambre... Bon. Non, bah disons que je sais pas, ma maman ne m'autorisait pas nécessairement à dormir avec des inconnus, quoi. Voilà. Voilà. Allons-y. Ah, monsieur, bonjour. Tu veux centrer ici, mais quel... c'est vrai que pour le mec a raison, tu vois. Le mec a raison, on est rentré dans sa cabine, genre normal. Mais ça, c'est le propre des jeux vidéo aussi. On en oublierait presque la politesse. Alors, est-ce que je peux rentrer chez vous? Bah non, en fait, non. Déjà, quelqu'un qui frappe pour te demander ça, c'est que c'est très bizarre. Genre, bonjour, je peux rentrer? Je vous connais pas, monsieur, enfin. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Fouiller les poubelles, casser des pots et vous tabasser avec un Pokémon de 35 niveaux de plus. C'est tout. Voilà, c'est tout. Hello à ceux qui débarquent sur le stream, bienvenue. Et vous piquez de l'argent aussi. Accessoirement. Accessoirement. Voilà. Non, non, mais voilà, si c'est demandé gentiment, j'ai envie de dire. Ça va. Le vrai luxe, c'est de passer un magnifique paquebot. En vrai, je pose la question, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà fait une croisière ou pas? Après, c'est vrai qu'on a souvent cette vision de c'est un truc pour les yeuves, c'est un truc pour les gens qui sont en pré-retraite, tout ça, tout ça. Moi, je pose la question, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours tenté, voir partir un mois comme ça. T'imagines, on fait un mois de contenu sur un paquebot, genre un mois de gaming news, mais genre sur une croisière. Pour être drôle, enfin, parce que je profiterai de ma croisière. Mais en vrai, je pense que c'est franchement une croisière sur le Nil. Oh là là, ça doit être incroyable. J'en rêve. Ça fait peut-être yeuve. Voilà, déjà le mot yeuve fait vieux. Je me rends compte que mes 33 ans, ça y est, ils arrivent. Mais j'ai déjà remonté la rivière en bas de chez moi, ça compte. Oui, bien sûr. Évidemment. Non, non, mais vraiment, je me pose la question. J'aimerais beaucoup, mais par contre, c'est tellement cher. En même temps, c'est normal, tout est compris dedans. Mais quand tu vois la gueule des paquebots, déjà, je trouve ça hallucinant que ça flotte. Déjà. Bon, toi, quand tu vois la gueule des avions, c'est hallucinant que ça vole aussi. Oui, bah non, parce qu'avec la portance, voilà, la poussée d'Archimède, tout ça, ta gueule. Voilà. Mais en vrai, non, non, mais quand tu vois la gueule des paquebots, c'est un truc hallucinant. Je suis en train de battre tout le monde dans le paquebot, genre sans prêter attention, genre je ne sais pas qui je bats. Ah, monsieur, bonjour. Ah, voilà, on a des Pokéballs.
33 ans, petit jeune, attends de passer les 35. En vrai, j'ai jamais été aussi heureux que maintenant, Rosen. Donc 33, 35, 40. En vrai, j'arrive même pas à me dire que j'ai plus de 30 ans, tu vois, genre. Voilà. Honnêtement, je me suis jamais senti aussi bien, je me suis jamais senti aussi jeune. Tu vois. Ah, vraiment, je suis pas du tout. Je suis pas du tout inquiété par mon âge, voilà. J'ai la vie professionnelle parfaite, la vie privée parfaite, je. Vraiment, tu vois, vraiment. Donc non, ça ne m'inquiète pas du tout, j'ai jamais été aussi bien. Voilà, il y a moins de dresseurs que les anciens. Alors, je crois qu'il y a moins de dresseurs que dans les anciens, ouais. Mais globalement, hein, globalement. Après, à voir si dans les autres chambres, il y en aura d'autres, mais... peut-être baisser un petit peu ma caméra. Attends. Pas évident d'avoir manié la souris en plus de la Pokéball dans la main. Là, c'est bien. Oui, on a eu notre Carabaf, hein. On avait eu notre Carabaf. Bonjour à ceux qui débarquent, bienvenue. Alors, déjà. Ah, tu bloques. Voilà, un élixir. C'est ça. Ouais. Je suis un petit peu déçu de ne pas avoir chopé mon petit shiny là dans l'épisode d'avant, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quoique non, ça va, il y a quand même pas mal de dresseurs. Ah bon? Il y en a un nouveau? Ah bon? Ça m'intéresse, attends, c'est pour la chaîne cuisine, faut que je teste ça. Ça s'appelle comment, Anaïs? Ça s'appelle comment? J'ai pas de nouveauté, hein. Je vois pas la nouveauté. J'ai pas de nouveauté. Bon, je sais pas. Il y a un jeu que j'ai envie de tester en ce moment. Alors, je suis pas très jeu mobile. Vous me connaissez un peu. Ah, bah, je le vois pas, Anaïs. Comment il s'appelle? C'est un jeu mobile. C'est un jeu mobile où en fait on fait des combats contre d'autres gens. J'arrive plus à trouver le nom. C'est pas Brawl Star, un truc comme ça. Je le vois beaucoup passer et j'ai envie de savoir ce que ça vaut. Est-ce que c'est sympa ou pas? Je suis pas du tout jeu mobile, mais j'arrête pas de voir passer ce jeu et je vois que les gens sont intéressés. Du coup, je me dis peut-être à l'occasion le tester pourrait être cool. C'est cool? Ouais, c'est sympa, vraiment? Ou c'est juste un truc genre mouais. Genre c'est moitière ou c'est cool? J'adore, ça fait des années que j'y joue. Ok. Donc vous me conseilleriez de l'essayer? Au moins une vidéo découverte, hein, 15 ans après tout le monde. Comme d'hab sur les jeux mobiles. Je sais, DJ, c'est un Gaming News qui sort à midi 10, qui est déjà pré-programmé. Ça me fait des années de prépa, il y a quelques années c'était le plus intéressant que mes cours de français philo. Yes. Craft de perso, des arènes et tout. Ok. Bah faut que j'essaye. On essaiera peut-être. Aujourd'hui on a pas mal de choses à faire. Aujourd'hui on a donc les épisodes de Pokémon. Ok. Il faut qu'on fasse une grosse vidéo découverte, redécouverte de Horizon Zero Dawn version PS5. On fera ça juste après. On a également, alors je crois que apparemment je devrais le recevoir aujourd'hui en code. Apparemment Dragon Age. Je suis pas hyper intéressé par Dragon Age, mais comme Electronic Arts va peut-être me l'envoyer, je suis chaud pour faire une découverte d'au moins une heure. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. J'ai toujours pas commencé métaphore. Il va falloir que je le fasse un jour. On a beaucoup de choses à faire. Et il n'y a pas de stream vendredi, samedi, dimanche. Peut-être dimanche soir, mais pas de stream vendredi, samedi, dimanche. Voilà pour info. Il y a beaucoup moins de dresseurs là. Ouais, je sais pas, le Dragon Age, il me tente pas plus que ça. Vraiment.
Je sais pas. À voir. À voir, mais je suis pas hyper chaud chaud. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Et j'ai un jeu indé aussi que j'ai acheté sur Steam, il faut qu'on le teste. Enfin, moi je l'ai testé dans mon coin sur Steam Deck, mais comme j'arrive pas à le faire tourner sur... Enfin, j'arrive pas à le streamer avec le PC, ou alors je l'installe sur l'autre PC, ce sera plus simple. Ouais, j'ai pas de hype pour ce Dragon Age, et pourtant j'aime beaucoup Dragon Age, mais je sais pas. J'en ai eu, et au fur et à mesure que j'ai vu des gameplays, bon... Ça s'est un peu évaporé... Ouais, évaporé, je pense que c'est le terme. C'est vraiment le terme. J'ai eu une évaporation de ma hype pour Veilguard. Je sais pas. Bon, au moins on récupère de la thune. Ah, j'avais pas vu. Je l'avais même pas vu le gosse. Je l'avais même pas vu. Bon. Va piquer sprint aussi. Qu'est-ce que j'aime cette animation. Bah non, pas nécessairement, Naïs. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Oh. Oh non, me faites pas chier avec ça. Me faites pas chier avec ça. Non, non, non. Non, c'est du woke, faut pas le mettre en avant. Oh, vous nous emmerdez avec ça, putain. Vous nous faites chier avec votre mot woke ou je sais pas quoi là. Putain, oh, c'est insupportable. Ah non, venez pas m'emmerder avec ça, c'est insupportable. Putain. Vous l'utilisez à toutes les sauces là. Putain. Oh là. On peut pas juste se dire ok, c'est un bon jeu ou c'est un mauvais jeu. Non, il faut. Oh. Pardon, hein, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Ça, c'est le nouveau truc à la mode en ce moment. Pour moi, un wok, c'est en cuisine. Voilà. Point. C'est tout. Pour faire sauter les légumes. Point. Alors, ok. Ah ouais, non, j'en peux plus de ça. J'en peux plus. C'est insupportable sur les réseaux. Ah, voilà. Les légumes et les nouilles, absolument. On va aller voir l'avant du bateau. Ah, je pensais qu'on avait des... Ah oui, je me disais aussi, quand même. C'est pas lui qui a 3 Magikarp ou 4 Magikarp. Je crois que c'est un truc comme ça. Ou 2. Ah non, Otaria. Non. Ah ouais, non, non, c'est insupportable, ça. Il faut qu'on fasse une vidéo sur Romancing Saga 2. J'ai pas eu le temps encore. J'ai pas encore eu le temps. Je pense qu'on va peut-être essayer de le faire aujourd'hui aussi. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, ça va être une grosse journée. Moi j'ai des tournages de mon côté, on a beaucoup de choses à streamer. C'est cool, j'aime bien ce genre de journée quand on a plein de choses. Il n'y aura pas de gaming news ce soir du coup sur la chaîne, parce que normalement toujours à 7h et 19h. Pour la simple et bonne raison qu'il y en a déjà eu un ce matin à 7h, et qu'il y a la fameuse breaking news avec le Nintendo Music à midi 10. Donc voilà, et puis bah du coup il y aura deux vidéos gameplay cet après mais ce soir avec une vidéo d'un jeu indé et aussi le Horizon. Donc il n'y aura pas de game news ce soir, mais en fait il y en aura eu un ce midi et un ce matin. Voilà, je pense que ça suffit largement. Ça suffit largement. Bah c'est pas prévu Dodora, c'est pas prévu pour l'instant. C'est pas prévu, je sais pas si j'aurai le temps, il y a plein de choses où j'ai pas le temps en ce moment. Trop mignon. C'est comme Sonic Génération, j'ai pas eu le temps tu vois, j'ai pas le temps... Il y a tellement de choses dans tous les sens. C'est vraiment... Je t'ai dit, là, c'est pas dur. Si je tourne une découverte de jeu indé maintenant, elle sortira... Alors, on est le 31 octobre. Hein. Elle sortira le 15 novembre. J'ai 14 jours de... À raison d'une découverte par jour de prêt et de programmer sur la chaîne YouTube. Pour te dire, il y a déjà 15 jeux indés qu'on a fait qui sont programmés. Enfin, il y a beaucoup trop de choses. Hein. C'est que c'est très compliqué quand il y a des breaking news ou des machins ou des trucs, parce qu'en fait, je suis obligé de décaler toutes mes vidéos en ce moment. Donc du coup, il y a des vidéos qui sont accessibles aux membres Gold depuis un mois qui sont toujours pas sorties.
Si vous êtes membre Gold, vous les avez vus. Si vous n'êtes pas membre Gold sur la chaîne YouTube, elles sont décalées. Elles sont décalées parce que voilà, tu vois. De quoi ne prendre jour de repos? Ah bah non, pas du tout. Ah non, parce que les actus ne s'arrêtent pas. Bah non. Attends, par contre, je veux juste voir un truc. Je suis pas allé là. Ah oui, c'est les cuisines, c'est vrai. Il y avait des trucs dans les poubelles, je crois. De temps en temps. Genre, il y avait une Super Bowl, un truc. Ah bah, les cuisines est quand même beaucoup plus jolie. Hein. C'est pareil. Oui. Bah, sympa, quand même. Ouais, effectivement, il y en a plus dans les poubelles. Hein, ils l'ont mis là. Et puis bah du coup je vous ai mis en short en plus de tous les autres contenus, ce qui fait déjà beaucoup. Je vous ai mis en short YouTube les ouvertures de pack Pokémon là sur Pokémon TCG Pocket. Donc j'ai mis le jour 1 hier, le jour 2 aujourd'hui. Puis bah du coup chaque jour je vous ferai les petites ouvertures. Genre c'est pas beaucoup, genre 3-4 boosters chaque jour, mais c'est cool. Voilà, donc je sais pas si ça sera regardé, mais bon, ça rajoute un petit contenu un peu sympa si jamais vous avez envie de regarder. Voilà. Non, Dodorad, non. Bah, si t'as regardé le Game of Thrones ce matin, t'as bien compris qu'il y aurait rien, tu vois. Salut Seb, ça va? Ah, c'était lui avec ses Magikarp, peut-être. Oh, un Fatal Foudre sur un Magikarp. Je parle plus trop de comics, tu vois. Stop un peu, tu continues. Bah, non, je continue toujours les comics. Toujours. Il y a plein de choses dont je parle pas. Hein. Je parle pas jardinage et pourtant j'en fais tous les jours. Je parle pas musée et pourtant j'en visite beaucoup. Je vais éviter ce que je veux dire après. Mais il y a plein de choses de ma vie dont je ne parle pas. Vous voyez 10% des choses que j'ai envie. Bah, en fait, vous voyez ce que j'ai envie de partager sur les réseaux. Voilà, c'est tout. Et encore. Et encore, si je pouvais, j'ai pas le temps de partager tout ce que j'aurais envie. Je rêve d'ouvrir une chaîne Edouard Jardine, hein, tu vois. Bon, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que j'ai trop de choses. Il y a trop de choses. Mais bon, voilà, tu vois. Bah, surprise, le royaume du TCG. Le royaume du TCG, je connais pas, c'est quoi, c'est ça? J'aurais déjà parlé de comics. Bon, en fait, j'ai déjà parlé de comics quand. Quand j'ai eu un moment et que j'avais envie de parler d'un truc un peu spécial, mais pas plus que ça, tu vois. Alors. Oh, le petit souplesse, là, ça fait longtemps. Oh, cette animation, on l'a pas beaucoup vu en plus, hein. Alors. Je sais pas, Jab. Je sais pas. Bah, après, moi, ça m'arrange, hein. Ça me laisse plus de temps pour faire du contenu. Ça m'arrange. J'aime bien cette hype autour. Moi, ça m'arrange. Je te l'avoue. Bon, c'est une news sur 5 tous les matins. Ça me va. Il y a toujours un truc à dire. Puis en fait, je me garde des actus aussi là-dessus. Il y a un salon à Villepinte, il y aura Lynch. D'accord, ok. Ok. Je sais même pas. Attends, Villepinte, c'est pas le truc où il y a la Japan Expo d'habitude? C'est pas ça? Ah, je déteste cet endroit. Pour se garer, c'est une horreur. C'est ça? C'est là-bas, non? Quand j'allais à la Japan Expo, je crois que c'est ça. Quel enfer. C'est un enfer là-bas. Bon, après, il y aura peut-être moins de monde au TCG, qu'à la Japan Expo. Peut-être. Je pense surtout que je vais aller à la dune, moi, ce week-end. Genre à 6h du mat. Pour avoir personne. Soit demain matin, soit samedi matin, soit dimanche matin. Je ne sais pas encore. L'un des trois. L'un des trois. Ta-da.
Ah bah c'est pareil, moi j'ai tellement de jeux à faire que s'il n'y a pas de nouveau jeu qui sort là, c'est pas grave. Hein. Bah regarde, je refais Pokémon Let's Go, tellement j'ai envie de faire des trucs. Et pourtant il y a plein de jeux qui sortent. Hein. Voilà, pour te dire à quel point mon backlog il augmente. Et encore. Et ça, c'est vrai qu'on va voir le Go Park par là. Ouais, il y a moins de monde dans l'océan. Du coup, on a quasiment déjà terminé l'océan. Triste. Oh là là, mais c'est triste. Bon bah là, des petits combats contre Léo. Allez, vas-y. Le pauvre aussi. Tu n'es encore jamais allé à Villepinte? Ouais, moi j'aime pas trop. Non, c'est pas un endroit que j'apprécie. Ah bah oui, c'est vraiment déjà. Je l'ai appelé Léo parce que c'est censé être le pote de l'aventure quelque part. Donc, hein. Mais par contre, je l'écrase, oui. Là pour le coup, je l'écrase un peu. Le pauvre. Oh, je lui mets un petit fatal foudre. Le fatal foudre sur le Evoli, c'est terrifiant. Putain, les animations, c'est tellement les plus belles de la licence, c'est pareil. Je persiste à le dire. Déjà visuellement, la DA est parfaite, mais alors les animations, clairement. Les Pokémon sont tellement clean. Je sais pas pourquoi ils ont fait de la merde après. Je sais pas. Bah oui, il y a déjà des vidéos sur la chaîne, déjà. Donc oui. Donc oui. Allez, on va aller apprendre coupe. Bah en fait, on va faire l'océan et le comment s'appelle et Major Bob dans la même vidéo. Bah non, mon téléphone. Non, mon téléphone. Ah oui, peut-être que je dois. J'ai pas besoin de les apprendre à mes Pokémon, du coup. C'est ça, ouais. Ah ouais, c'est triste. Merci, Bibi, pour ton resub. Merci beaucoup. Il faut que je leur mette en français, d'ailleurs, les notifications de sub en bas, là. Faut que je les mette en français. Ouais, triste l'océan. Dans mon souvenir, il était plus long, même sur cette version. Bon, et bah écoute, salut Alex. Bon bah c'était. Je vais aller dormir avec la dame là. C'est très bizarre. Il se passe des trucs très bizarres dans ce aspect. Même pas 25 minutes pour faire l'océan, s'il te plaît. Mais c'est fou. Bon bah, allons voir le Major Bob. Hein. Avec, je crois que le Major Bob, c'est l'arène où il y a les poubelles. Les fameuses. Ah oui, non, attends. Ils avaient pas changé. Ah ouais. Tu parles. Ça, c'est la plus grosse arnaque du monde. Si vous regardez la map de ce jeu Pokémon, la map de Kanto, il n'y a pas de. Le bateau, en fait, il part. Mais c'est une baie. Donc en fait, il peut pas partir le bateau. Donc on nous dit, oui, l'océan est parti, patati patati. L'océan n'est pas parti du tout. Non, l'océan n'est pas parti. L'océan a fait 3 mètres. C'est tout. Je me souviens pas de ça. Mais c'est terrible. Je me souviens pas de ça. C'est bizarre. Je me souvenais pas de cette nana. Bon.
Hey, toi! Viens couper les arbres! Pour la mairie de Carmin-sur-Mer, s'il te plaît! Salut, Lucifer. Oui, toi, le dresseur, là, avec le Pikachu sur l'épaule. On a besoin de toi. Voilà. Est-ce que tu peux débroussailler cet endroit, s'il te plaît? Attends, est-ce qu'ils... Je crois qu'ils avaient changé, ils avaient pas gardé les poubelles dans celui-là. Je crois qu'ils avaient pas gardé les poubelles, ils avaient fait un truc avec des interrupteurs de... des interrupteurs électriques. Enfin, les interrupteurs étaient censés être dans des poubelles à l'époque, mais il me semble qu'ils l'avaient changé pour celui-là. Salut Clochette. Hello. Ah non, ils avaient gardé les poubelles, très bien. J'étais pas sûr. Je me souvenais plus s'ils l'avaient gardé dans celui-là. Non, parce qu'avec tout ce qui change... C'est une poubelle rouge. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Merci. Oh, le Major Bob, il va se faire déglinguer aussi. Attends, je crois que son Raichu est peut-être au niveau 30. Peut-être au niveau 30, le Raichu. Je sais plus. Parce que là, je suis au niveau 34, mais ils sont déjà au niveau 22 en face, quand même. Quand même. Quand même. Sacrée résistance. Pikachu a pris la technique juste en regardant un mec couper un arbre. Oui. Bah, tu sais, finalement, est-ce que c'est pas le propre de l'homme aussi que d'apprendre des choses en regardant les autres faire? Ah. Voilà. Comment as-tu appris à parler? Et bah, c'est pareil pour les Pokémon, ok? Voilà. Pour les Deltoniens, bah oui, bon, ça se trouve. Peut-être. Pikachu contre Pikachu, qui va gagner? Oh, le pauvre en face. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous savez quoi? Parce que je pense que cet épisode ne fera pas une heure. Pour terminer l'épisode. Parce qu'à mon avis, là, dans 5 minutes, on a battu la reine. Hein. Soyons francs. On va retourner peut-être dans la forêt de Jade. En passant par la grotte Topiqueur, on va aller chercher l'Ipoutou. Et on va regarder si on peut choper un... On va essayer de faire une chaîne pour un Bulbizar Shiny, potentiellement. Ça peut être sympa pour terminer, parce qu'il nous restera bien 20-25 minutes facile pour terminer l'épisode, donc ça peut être cool. Double pied, let's go, vas-y. Et dans l'épisode d'après, on fera la route jusqu'à l'avant-ville. Oh, on va avoir la fameuse musique de l'avant-ville. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. Quelle musique incroyable. Allez, let's go. Alors, bon. Il y a que des détritus, poubelles bleues, détritus. Ah, voilà. Merci. La croisée des mondes. Ouais, c'était l'adaptation. C'était... Ah bah, ça c'est fait. C'était l'adaptation des romans, je crois. Ouais, ils ont pas fait la suite. Ils l'avaient pas fait en série. Ils avaient pas fait une série d'adaptation à la croisée des mondes. Il me semble qu'ils avaient fait une série en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite au film. Je l'ai jamais vu ce film. Je n'ai jamais lu ces bouquins non plus. Mais je l'avais vu passer ouais, à l'époque, ouais. Allez, let's go. Bah, double pied. Ah, niveau 25. Si, ça doit être son Raichu au niveau 30. Je crois. Tra les musiques. C'est ces musiques-là qu'ils auraient dû mettre dans le Nintendo Music. Ça, c'est fait pour Voltorb.
Magneti. Ah, il avait un Magneti aussi. Tiens. Je me souvenais du Voltorb, mais pas du Magneti. Double pied aussi. De toute façon, j'ai gardé exprès le double pied pour les Pokémon de ce type-là. Il est trop bien, il t'annonce une suite de fou et paf, aucune suite. Il faudra que je le regarde. Tu me le conseilles vraiment? Vraiment, il est cool à ce point-là? Parce que tu vois, c'est comme Narnia, le premier est sympa. Le 2, bon, ça passe. Et alors après... Ah, 26 sur Raichu? Putain, j'étais persuadé que c'était 30. Tu vois? Absolument Sam. Ouais, gros let's play sur la chaîne secondaire. Ah là là. Je crois qu'on a mis moins de 5 minutes d'ailleurs pour terminer cette arène. En même temps, bon. Ouais, le 1 de Narnia était incroyable. Le 2, c'était le prince Caspian, un truc comme ça, qui était bouf. Et après, ils ont fait un 3. Qui. Je n'ai aucun souvenir. Vraiment. C'est terrible. Ouais, je. Ah, c'est pas mal Narnia, ouais, c'était pas mal. Hein. Mais ça y est, on arrive dans la période octobre, novembre, décembre. Ça va être le moment de se refaire les séries de films, genre les Harry Potter, les Twilight. Même si Twilight, finalement, c'est pas incroyable, je trouve que ça fait un peu le même effet dans cette période-là de... Tu vois, c'est la série de films de Noël. Voilà, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de le revoir, là. Ça fait longtemps que enfin, je crois que ça fait des années et des années. Je crois que je l'ai vu à la sortie et il faudrait que je la revoie. Ah, Ondine. J'espère toucher ton équipe. Oh, bah, c'est gentil. Mais surtout... Salut, Spikef. Surtout Harry Potter. Mais je crois que Harry Potter, je me les refais tous les hivers. C'est le truc un peu gros chaud, tu vois. C'est cool avec le petit plaid. Enfin, c'est chouette. Ouais, je me les refais en ce moment, les Harry Potter. Mais bien sûr. La grotte Topiqueur. Bon, on y va. Mais je crois qu'on fait tout ça, ouais, avec le petit chocolat chaud, le plaid et tout. Quelle merveille. Évidemment. Allez, grotte Topiqueur. Avec une bière au beurre. Ah, putain, c'est infâme. J'ai goûté ça, c'est une espèce de truc au caramel ultra sucré dégueulasse. Oh, pff, quelle horreur. Quelle horreur, la bière au beurre. Y'a pas de trio Picard? Ah, je l'ai déjà. Ah dis donc, la grotte Topiqueur, je l'ai jamais traversée aussi vite. Hein. Qu'est-ce... Ah, elle est aussi longue que ça? Ah bah c'était très intéressant à traverser en tout cas. Merci de votre participation. Franchement, un papy que tu croises à la sortie d'une grotte et qui te dit... Il me paraît qu'il existe une grotte encore plus sombre que ça, jeune homme. Je n'ai pas envie de savoir, laissez-moi tranquille, monsieur. Il se passe des trucs très bizarres dans ce jeu. Voilà. Je pense que si, quand t'es enfant, ça passe. Quand t'es plus grand, forcément, tu penses à des trucs. Non. Non, monsieur. Non. Laissez-moi tranquille. Je crois que c'était là. Voilà. Non, mais c'est vrai. Le vieux papier à la sortie, je suis désolé. Mais il y a un moment, bon... La petite dame dans l'océan qui dit hey, « Eh, mon petit jeune homme, ça tente de venir dormir dans ma chambre ?» Non, bah non, non, madame. Non. Non. Voilà, non mais il faut le dire. Soyons honnêtes. Attends, il me demandait un échange ou pas? Alors lui, c'est Flash, peut-être. Ah, mais il me donnait pas les poutous à l'époque, par là? Ah non, c'est Flash. C'est horrible, la bière au beurre version moldu. Ah putain, ouais, je te jure. Tamagotchi Pikachu. Bah, je l'ai en boîte, le Tamagotchi Pikachu. Il existe en deux versions, d'ailleurs. Et j'ai les deux versions, je suis très content. Il me semble que je vous ai fait une petite vidéo, d'ailleurs, sur la chaîne. Oui. Je pensais qu'il me donnait un lit pour tout. Attends, je suis fou. Je suis fou, il me donnait un lit poutou à la base. Ah, c'était au sud là. Peut-être par là.
je préfère y aller tout seul. Laisse-moi tranquille. Ah oh, merde. Non. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai cliqué trop vite. Non, mais je sais. Je sais. C'est une grotte où on ne voit rien du tout. Oui. Ouais, mais non. Bon, bah, on va retourner par là. Quoi. On va retraverser la grotte de Piqueur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la forêt de Jade. On n'a pas encore la technique vol. Donc, du coup, on verra ça plus tard. Non, bah écoutez, il nous reste 20 grosses bonnes minutes sur cet épisode. Donc, autant aller essayer d'aller voir le but bizarre Shiny. On l'aura pas en 20 minutes. Mais bon, voilà. Honnêtement. Bah en fait, c'est chiant parce qu'en fait, ils te demandent toujours une confirmation. Genre, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Non, j'irai tout seul. Mais tu es sûr que tu ne veux pas? Et là, du coup, forcément, le premier, c'est bah non, en fait, tant t'as raison, allons-y. Mais laissez-moi tranquille, ok? Bon. Non, mais non, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui veut nous embêter dans notre pérégrination. Voilà. C'est bon, c'est branché. Après, je trouverais peut-être mon trio piqueur, du coup. C'est peut-être une bonne nouvelle. C'est peut-être une très bonne nouvelle pour nous. Non, puis quel plaisir de se balader dans cette direction artistique. Oui, je dis souvent DA, et quelqu'un demandait l'autre jour, c'est quoi DA? Direction artistique. Voilà, au cas où. Cette grotte est passionnante. Sans doute la grotte la plus passionnante du jeu. En vrai, je me souviens par cœur des grottes. Je crois que c'est un trio piqueur. Comment ça s'appelle? Genre la grotte d'après, là, qui est à côté de la centrale. C'est pareil. Tellement faite à l'époque. C'est peut-être par là, du poutou. Il n'y a pas une autre maison par là? Ah, pierre plante, cool. Ah bah attends. Eh, tant qu'on y est. Il est où? Là, Ortide. Attends. C'est dans quoi? C'est dans la bonbonnière? Non. C'est dans quoi? Trousse de soins? Non plus. Poche à renfort? Non, poche à renfort. Utiliser sur... Ah, faut que je le mette sur moi. Bah attends, je vais le faire, ça m'intéresse. Oh là là. En vrai, je pense que je le mettrai dans mon équipe. Contrôle paras. Voilà. Ici. Sac. Oui. Poche à renfort, pierre plante, utilisée. Oh, oui. Quel plaisir. Cette évolution est tellement belle. Quelle beauté, regarde ça. Quelle beauté. Magnifique. Somptueux. Allez. Par contre, Rafflesia, je t'aime, mais je vais pas te laisser dans l'équipe pour l'instant parce qu'on est en train d'essayer de compléter notre Pokédex. Il faudrait que je voie avec Léo pour refaire les échanges aussi. Quoique, je dois avoir ma version Evoli. Au moins, il bave plus, oui. Je dois avoir ma version Evoli sur laquelle j'ai tous les autres. Sur. Ah, oui, mais attends, ça va être sur la même Switch. Ah, je sais plus. J'étais persuadé qu'il y avait un Lipoutou. J'ai peut-être rêvé. Dans ma tête, il y avait un Lipoutou.
par là. Bon, allez. Allons capturer les bulles bizarres et peut-être avoir un shiny. Ce serait bien, il nous reste 20 minutes sur l'épisode. On est bien. Bon, par contre, c'est pas celui qui pop le plus. Donc il va falloir faire attention. Alors, Crisacier, je m'en bats les steaks. Il y a le Pikachu. La Pikachu Shiny aussi qu'on aurait pu choper. Pikachu Shiny, je sais même plus de quelle couleur il est. Oh, et un Mister Shiny, ça aurait été cool aussi pour avoir le Rafflesia Shiny. Est-ce que je voudrais. En fait, le but, ça serait vraiment aussi d'avoir l'équipe de Shiny de toute mon équipe. Voilà. Après, le Pikachu, je pourrais pas le changer. Enfin, je pourrais pas le changer. Je pourrais pas avoir le mien en Shiny. Je crois qu'il est un peu orange, ouais, je crois. Ah ouais, mais il y a le chenipan en shiny qui aurait été cool aussi. Bon, on va faire ça ici, parce que c'est pas mal. Alors, Bulbizarre. Ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, non, on n'aura pas le shiny en 20 minutes. Après, bon, si on a de la chance, peut-être, mais on n'aura pas le shiny en 20 minutes. En vrai, non, c'était mieux au début du... C'était mieux au début. Tant pis, on va se refaire. On va le refaire. Le Shiny Hunting sur cette version est trop cool. Ah, ou alors on se fait le Misterbe? Non. Ça se trouve, je vais tomber sur un Shiny direct. Misterbe, il pop pas mal. Hein. Il me donne plutôt envie. Hein. Mais on avait dit qu'on voulait tenter le Bulbizarre. Hein. J'ai aucune idée de la couleur du Bulbizarre Shiny. Je n'en ai aucune idée. Par contre, il pop moins qu'avant, du coup. Je crois que c'est vraiment pas celui qui pop le plus dans la forêt. Hein. C'est ce qu'on disait. Il pop de manière assez sporadique. Et souvent à droite, là-bas. On va essayer. Puis c'est toujours quand tu veux un Pokémon que... Oh, bah tiens, le Papillusion, tiens. C'est toujours quand tu veux un Pokémon qu'il n'y ait pas, de toute manière. Comme d'hab, et quand tu le veux pas... Combien de fois le Bulbizarre il est apparu quand on voulait le... Qu'est-ce qu'on cherchait? Le Roucou, là? Ben voilà, qu'est-ce que je disais. On va faire un petit tour. Ça devrait apparaître à l'écran à un moment. Attends, je l'ai pas entendu, là? Ah non, c'était le Crisacier. Crisacier, toujours. Là, il y a pas mal de monde, en général. Bah, je pense que le plus intéressant, ça serait de faire des chaînes en attendant qu'il apparaisse, parce que j'ai l'impression qu'il apparaît quand t'as commencé une chaîne, ouais. Au pire... Tiens, bah, Pikachu, regarde. Au pire, je fais une petite chaîne de Pikachu. Au pire. Après, le Pikachu, j'aimerais bien le capturer aussi, parce que il me faudrait des bonbons Pikachu. Donc ça pourrait être pas mal. Hein. Dis que tu veux pas, il apparaîtra toujours. Ouais, c'est vrai, le... De toute façon, le Bulbizarre, c'est pas celui qui m'intéresse. Voilà, de toute façon. Ce n'est pas du tout celui qui m'intéresse, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas du tout intéressé par Bulbizarre, hein. Voilà. C'est pas celui qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les Pikachu. Évidemment. Bulbizarre, tu ne m'intéresses pas. Hein. La psychologie inversée ne fonctionne pas du tout. Bon. Le Misterbe. Bon, je vais finir par faire Misterbe, hein, tu vois. J'ai Pikachu et Bulbizarre, c'est vraiment les deux qui pop pas de fou. Ils pop à gauche en général. Bah non, moi il popait toujours à droite. Le Bulbizarre. Moi c'était tout le temps à droite. C'était justement dans le truc là, tu vois. Moi, c'était là qu'il popait régulièrement. Ici. Dans ce petit... bivouac. Mais il est... Je sais que le Bulbizarre n'est pas... ne pop pas beaucoup. Je le sais. Pikachu et Bulbizarre, tant que t'as pas commencé les chaînes, c'est une galère. Les deux, c'est une galère. Tu tapes toujours toutes les petites crottes là.
pain. De toute façon, faut que je repasse au Pokéball. Parce que là, les Super Bowl, là, ici, bouf. J'ai toujours eu là. Bah, moi, je le voyais là, ici, en général. Ouais, alors, évidemment. Évidemment, je me tape tous les autres. Hop, là, il y a ce qu'il faut. Hein. Tous les autres. Hein. Ça va le faire. Après, il y a aussi en haut, de l'autre côté de la forêt de Jade, aussi. Attends, Pikachu, ça. Ouais. On est d'accord que dans les anciennes versions, le Pikachu ne popait que sur les arts précises. Comment ça? J'ai pas compris la question. Pikachu, il était pas, il popait pas ici, hein, dans les versions... Ah si, peut-être sur bleu et rouge. Si, ah, peut-être, je sais plus. Je crois que dans la forêt de Jade, il popait sur rouge et bleu, non? Ah, peut-être. Comme j'ai beaucoup fait la version jaune, je crois qu'il n'y était pas dans la version jaune. Je sais plus. Je sais pas. Ah, oh, pff, le nom de Pikachu. Je t'ai dit, quand tu commences une chaîne, ça se met à apparaître d'un coup. C'est vraiment une dinguerie. Rouge feu et vert feuille. Ah oui, bah oui. Mais ça, c'est les versions bien après. J'aimerais bien les retrouver sur Game Boy Advance. Avec la boîte et tout. Si jamais vous l'avez et que vous avez envie de le vendre un jour, contactez-moi. Ah, en bon état. Contactez-moi. Si vous me le vendez pas 800 balles, évidemment. Je suis prêt, évidemment, à mettre un petit billet un jour, je suis prêt. Pas 800 balles, quoi. Mais je les ai vus à 300 et quelques. Je les ai vus, mais... Pff, voilà, quoi. Ouais, non, mais les cartouches, oui. Mais c'est pas les cartouches, moi, ce qui m'intéresse, c'est la cartouche plus la boîte. Ah, merde. Ah, je pensais l'avoir en excellent. Mais ouais. Un jour, peut-être. Bon, là, j'ai d'autres choses à faire, mais c'est un jour. Je vais peut-être finalement passer à la Super Bowl pour Pikachu. Enfin, celui-là, en tout cas, il était... C'est bon, il rentre. C'est bon. Mais, ouais. Ah, c'est pas avec 17 XP qu'on va aller loin. Là, tu vois, genre, il nous reste un quart d'heure pour... Au pire, je chope le Pikachu Shiny, tu vois. Allez, hop. À quoi sert le rond de couleur avant de les attraper? C'est la difficulté de capture. Le rond qui apparaît. Et en gros, si t'arrives à caler la Pokéball au milieu... En fait, si t'arrives à le caler dedans, tu fais des jolis lancers de Pokéball. Hein. En gros. Et si t'arrives à la voir quand il est au plus petit, tu fais un excellent lancer et ça te donne encore plus d'XP. Voilà. Alors, le dernier qui a popé... Hop là. Bon bah écoutez, on est parti sur Pikachu. Voilà, c'est très bien. Au pire, je donnerai des bonbons. Quoique non, je veux pas partir sur Pikachu parce que je pourrais pas remplacer le mien. Donc le must, ça serait d'effectivement tomber sur le Bulbizarre pendant la chaîne. Voilà. Il va apparaître le Bulbizarre. Je le connais, c'est un fourbe. Il apparaît toujours dans ce moment-là. T'as déjà niveau 28 le Roucoups. Eh ben mon cochon, il va apparaître au bout de 10, tu vas voir. On va se choper un autre shiny à un moment, tu vas voir. Je vais ressortir, je vais revenir. Si vous trouvez une GB en bon état, envoyez-moi un message. En vrai, ça se trouve. Avec la boîte, c'est plus compliqué pour les GBA, mais une GBA en bon état, ça va. T'en trouves un peu partout des GBA. Je trouve. Ok, 21 pour Carabaf. J'ai pas mon air bizarre sur moi? C'est bizarre. Ah bah tiens, il est... Salut Nap, merci pour ton follow. Oh, c'est pas lui que je voulais. L'enfer, celui qui se met entre toi et ta cible. Viens là, Pika. Je vais finir par tomber sur Pikachu, Jaini, tu vois. Alors que c'est pas nécessairement lui que je veux. Toujours comme ça. Je crois qu'en faisant la chaîne des...
en faisant la chaîne des Pikachu, premier let's play, j'étais tombé sur un Rattata shiny ou un Drooku shiny, je sais plus. J'avais un peu le seum. Je l'ai attrapé quand même, mais bon, ça m'a cassé ma chaîne, mais bon, je pouvais pas laisser passer un shiny, quoi. Petit Pikachu. Le but, c'est d'en choper 31, en fait. Oh, trop bien, Blazy. Profitez bien. Bah, la Game Boy Color, quelle merveille. Quelle merveille, cette machine. Ouais, ouais. Elle est incroyable. Easy Cash m'a dit pareil quand j'ai trouvé la GBA violette. Je rentre chez moi, je mets les piles et paf, mort. Ah merde! Ah la vache. Salut mode. Oui, alors ça, par contre, ils sont censés la vérifier chez Easy Cash quand même. Ils sont censés la vérifier. Bon, après, quand tu l'achètes, c'est garanti chez eux. Donc. Au moins pour l'allumage. Voilà. Alors, ah oui. Alors, moi, normalement, je sais pas si je l'ai au bureau, mais. Si elle est là, regarde. Là, ma petite SP, tu sais, mon SP qui est là. Hop là. Après, je préfère mon Analog Pocket parce que... en vrai, la SP modée, elle est géniale. Avec, l'écran ultra lumineux et tout. Mais par contre, tu joues une heure et demie, c'est fini au niveau de la batterie. Parce qu'avec la luminosité de fou, la batterie est pas folle. Donc en fait, je préfère jouer sur mon Analog Pocket. Hein, qui est une merveille. Voilà. Tiens, voilà. Je suis passé vraiment l'Analog Pocket pépite. Beaucoup, beaucoup plus rentable en termes de temps et tout. Hop là. Bah, quand vous achetez un truc chez Easy Cash qui fonctionne pas et tout, vous le ramenez. De toute façon, c'est sous garantie. Donc, n'hésitez pas. N'oubliez pas de les ramener. Hein. Ne gardez pas chez vous en disant oh merde. Même si c'est que 5 ou 10 euros, vous ramenez. Hein. Bah bah très bien, je compte plein de Pikachu. Link to the past, oh là là, merveille. Profite. Bah, l'épisode sera passé encore super vite. J'ai pas vu l'heure passer. Le temps passe tellement vite. Oh, nice. Ah, le voilà. Voilà, parfait. Allez, viens là. Bon, je rajoute 10 minutes d'épisode, du coup. On avait dit 1 heure d'épisode, on va au moins jusqu'à 1h10. Pour garder 10-20 minutes de chasse aux bulles bizarres. Ah, te barre pas, te barre pas, te barre pas, te barre pas, te barre pas. Oh, putain. Voilà, viens là. Bon, là, il rentre. Bah d'ailleurs peut-être qu'on va faire un épisode de plus chasse aux bulles bizarres, ça peut être sympa au final. Hein. Vu qu'on n'a pas réussi à faire notre chasse aux Kalinos. Écoutez, ça fait 53 minutes là pour l'épisode. Ce que je propose, c'est que on aille jusqu'à 1 heure. C'est la durée classique des épisodes en termes de durée. Si on arrive au moins... Enfin, il faudrait au moins qu'au bout de cet épisode, on arrive à 10 bulles bizarres capturées pour pouvoir se faire une belle chaîne de bulles bizarres et donc faire un épisode sur la chasse aux bulles bizarres shiny. Ça serait quand même pas mal. Mais il en faudrait au moins 10. Ce qui peut être un peu tendu. Il en faudrait au moins 10. Et du coup, on enchaînerait avec un épisode sur bulles bizarres shiny. Enfin, j'espère. Enfin, en tout cas, la recherche. Et là, j'en ai capturé un, mais comme il tombe très peu, ça augmente un petit peu mon taux d'apparition d'avoir capturé un, mais c'est toujours pas fifou. Hein. Toujours pas. Rah, il pop tellement difficilement dans la forêt. Non, on n'a pas de parfum, là. On n'a pas de parfum là où on en est. On n'a pas tout ça. Je crois pas. Hein. Ah si, on en a. Ah si, on en a. Ah, mais je savais pas qu'on en avait à ce moment-là. Ah bah merci. Je savais pas du tout. Tu vois. Je savais pas que j'en avais déjà récupéré. Del parfino. Ah ouais, bien joué. J'avais pas vu.
Non, toujours pas. Attends, c'est pas lui au bout là? Non. Je vais faire l'aller-retour. Je sais même pas combien de temps il dure le parfum. De toute façon, il va me le dire normalement. Oh, putain. Non. Certainement pas, non. Non. Non, monsieur, restez chez vous. Ouais, j'en avais 5 de parfum, j'avais pas vu. Merci. S'il bouge pas, normalement, ça devrait apparaître. Évidemment, c'est des mystères. Bah. Et voilà, ça va vite, hein. Eh ben, punaise. Eh ben, dis donc. C'est rapide, hein. Pikachu là-haut. Qu'est-ce que je m'en fous des co-conforts. Hein. Bon, attends, je vais sortir. Je vais re-rentrer dans le... Ah, du coup, j'ai que des Pikachu qui pop, hein. Évidemment. Allez, pop, 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 pop. Oh, c'est que eux qui vont arriver, s'il te plaît. Toutes les petites chenilles, là. D'habitude, il est pas aussi récalcitrant, ouais. Je suis d'accord. Et là, la chance n'est pas avec nous. Hein. La chance n'est vraiment pas avec nous. En vrai, peut-être que c'est pas le bon moment pour faire la chasse au shiny de ça. Hein. Ah, ça fait déjà 2 fois qu'on ne peut pas le faire. La dernière fois sur le Caninos, là sur le Bulle Bizarre. Tant pis, sinon on ira faire la grotte au prochain épisode. Voilà. Je vous ai dit, si on arrive à 1h, 1h10 sans rien, on enchaînera sur autre chose. Là, ça ne tient qu'à lui, hein. Ça ne tient qu'à lui pour le prochain épisode. Hein. Ça ne tient même plus à nous. Hein. Allez, Bulle Bizarre. Montre-toi. Ouais, bah vraiment. Je vais avancer un peu par là pour voir en espérant. On va essayer. Là, il y a des grandes zones, là. Là, normalement, il y a beaucoup qui peuvent popper. C'est quoi, ça? Non. J'ai même plus le son qu'un seul... Bah, c'est mon dernier parfum, déjà. Non, oh, c'est dommage. C'est dommage, on en avait capturé un. Au moins. Ah, mais c'est tous les autres qui arrivent. Hein. Tous les, j'ai toute la forêt qui débarque, sauf celui que je souhaite. Alors que quand je le voulais pas... Je ne le veux pas d'ailleurs, je ne le veux pas du tout. Je ne veux pas de Bulle Bizarre. Quelle horreur. Ah non, non, pas de Bulle Bizarre. Aucun Bulle Bizarre ne m'intéresse. Oh, regarde ça, mais je me tape toute la forêt là. C'est fou. Bonjour à ceux qui débarquent. Mais attends, c'est incroyable. C'est incroyable. Bah oui, j'ai plus de parfum du coup. Bah voilà, bah voilà. Après, peut-être qu'il a, c'est un Pokémon qui aime pas le parfum. C'est pas... C'était pas lui ça? Non, non, c'est la mystère. Oh là là. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et c'est pas ça que je veux. Le bizarre. Le bizarre. Oh, t'as, c'est le co-confort qui fait ce bruit de merde. Pardon. Allez, Bulbasaur! Bulbasaur! T'as, il veut pas, hein? Je te jure. Mais c'est incroyable! Oh. Bon, bah écoutez, tant pis, hein?
Tant pis pour Bulbasaur. Voilà, encore une ou deux minutes. Encore une ou deux petites minutes. Pour essayer de l'avoir. Mais je pense que... Je pense que c'est mort. 10 minutes quand on en a capturé un déjà. S'il te plaît. En fait, il en faudrait juste un deuxième pour attirer tous les autres. C'est juste ça. Hein. Allez, juste un. Bridou. Plus bizarre. Allez, viens. Ah, c'est lui ça. Oh, comme quoi, il suffisait de le siffler un peu. Ah. On en a eu deux en 10 minutes. Ouais. Youhou. L'enfer. Après, c'est mieux que 1. Tu vas me dire. C'est mieux que 0 aussi. Ah, c'est pas faux. Ah si, il était sur moi le plus bizarre. Niveau 28. En plus, il était déjà au niveau 28, s'il te plaît. Ah oh là là. Bon, normalement, là, ça devrait popper un peu plus. Pff, ou pas. J'avais dit au moins 10, hein. Je vais refaire un essai. Tu vois, moi, c'est là qu'il pop le Bulbizarre, genre vraiment. Bulbizarre. Bulbizarre. Ça fonctionnait tout à l'heure. Ouais, j'avais mis un objectif franchement assez faible. 10 Bulbizarre en 20 minutes. Tu vois, c'était pas, l'objectif était quand même pas énorme. On va même pas réussir à le tenir. On va même pas réussir à le tenir, s'il te plaît. Mais je m'en fiche de toi, Pikachu. C'est pas méchant, hein, mais... Ce qu'on veut, c'est Bulbizarre, là. Sans déconner. C'est quoi, c'est au bout de 3 qu'il y en a plus qui pop? Bon bah écoutez, c'est compliqué. Hein. Bah là on a eu un, on a eu deux Bulbizarre en 10 minutes, s'il te plaît. Un toutes les 5 minutes, pas possible. C'est beaucoup trop peu. Qu'est-ce qu'a popé là? Ah c'était le chenipan qui a popé? Ah oh, c'est que des chenipans. Petit chenapan. Bon bah... Bon... Ah mais non, crotte. Non, je pense qu'on a vraiment pas de chance en fait. C'est vraiment là... Parce que c'est quand même étrange qu'il y en ait si peu. Je vais aller checker quand même à gauche. Puisque tout à l'heure quelqu'un me disait que c'était à gauche qui popait davantage. Moi, j'ai toujours vu à droite perso. Hein. Bulbizarre est davantage d'extrême droite que d'extrême gauche. Voilà, c'est ça. Bien sûr. L'enfer. Quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Ça me donne pas envie de le capturer. Hein. Pff, voilà, quel dommage. Quel dommage. Oui, je m'en suis doué, Lucifer, je m'en suis doué. Allez, pop! Un moment, là, oh! Et je cherche pas à choper les numéros de l'euro million, je veux juste un Bulbizarre! C'est pas compliqué! Bonjour à ceux qui débarquent, hello! Ah ouais, genre vraiment rien du tout. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est sûr... Mais il pop toujours à différents endroits pour tout le monde. Il y a quelqu'un en haut, en bas, à droite. Alexandrie, Alexandra. Non, bah écoute. Eh bah écoute, je crois que Bulbizarre ne veut pas popper, d'accord? Bon.
Alors par contre, le Pikachu, il y a pas de problème. Tout à l'heure, on n'en cherchait pas. Tout à l'heure, il y en avait. Tout à l'heure, on le cherchait, il popait pas. Là, il pop partout. Il est timide. Ben ouais, je sais bien, mais moi, je leur veux pas du mal. Après, moi, je les renvoie au professeur Chen. Après, c'est le professeur. C'est le professeur. Je sais pas ce qu'il en fait. Ça, après, ça nous regarde pas, hein. Ah, Papillusion, évidemment. Il aime pas le parfum. Oui, ça on a vu qu'il aimait pas le parfum. Voilà. On l'a vu. Bon, l'euro million, j'ai déjà joué plusieurs fois, je gagne jamais. Sauf, enfin, je gagne jamais l'euro million, je gagne jamais les millions. Par contre, je gagne toujours 2 ou 3 euros avec. Bah, ça me rembourse mon truc. A chaque fois, je suis remboursé parce que je trouve un des numéros, les numéros jaunes là, tu sais, les machins. Après, on n'a pas choisi le Pokémon le plus facile à chasser, là. Que ce soit le Bulbizarre ou le Caninos, on n'a pas choisi les plus faciles. Ah, c'est déjà bien, ouais, moi je suis remboursé à chaque fois. Oui, oui, c'est très bien. Bah, j'avais joué là il n'y a pas longtemps, machin, j'ai gagné 3,65€. Bon, bah ça m'a remboursé mon truc. Tu sais, de temps en temps, c'est 2,50€ la grille. Je me dis, bon, bah, voilà. Qui tente rien à rien, hein, 100% des gagnants ont joué. Bah, avec l'application, c'est sympa. L'application, 2,50€ une grille. Bon, voilà. Je t'ai dit, à chaque fois, je suis remboursé. Donc voilà, tu vois. Donc, je dépense pas plus, j'ai mis ça il y a un bout de temps, et puis bah à chaque fois je suis à chaque fois c'est ça me le rembourse, voire un euro de plus, donc bon. Ah, c'est mystère ça. Bon bah on va jusqu'à 1h10 d'épisode, j'avais promis. Et si on l'a pas, tant pis. Un petit peu triste pour le coup là. Le Caninos passe encore. Tu vois ? Mais là, on est vraiment sur des Pokémon récalcitrants. Hein. Bah, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller entendre la musique de l'avant-ville, du coup. Il y a vraiment tout sauf ça. Et puis tu vas voir qu'on va arrêter le stream et que je vais le trouver après, comme d'hab. La dernière fois que j'ai joué à l'Euromillion pour ma mère, j'avais tous les numéros à un prêt. Alors, si t'avais tous les numéros à un prêt, t'as gagné beaucoup d'argent. Ou alors c'est faux, ce que tu dis. Parce qu'en général, si t'as tous les numéros à un prêt, t'as déjà une somme gagnée. Donc soit t'es pas allé récupérer tes gains et tu t'es chié dessus. Tu vois ? J'ai mis 48 et c'était 49. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. T'étais pas à un numéro près. Non. Non, t'es pas à un numéro près. Ça marche. Non, ça marche pas comme ça. Ah, ça marche pas comme ça. Ah non, non, ça marche pas comme ça. C'est comme les gens qui t'appellent. Bonjour, je suis bien au 06 19 24 38 24. Non. Il y a aucun numéro de bon. Non. Non. Je comprends pas ces gens-là d'ailleurs. Je comprends pas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Genre vraiment, quelqu'un qui t'appelle, il dit ouais, je suis bien au 06 machin bidule. Je dis mais non, vraiment, genre aucun numéro n'est bon. C'est déjà arrivé, je comprends pas. Ou alors la personne, je sais pas, elle compose les yeux fermés, mais c'est très bizarre. Super chelou. Je comprends pas. Tu vois ? Tu vois ? Alors attends, par contre, bon bah, il nous reste 15 secondes, 14, 13, 12, 11 et demi,
11, 10 et demi, 10, 9 3 quarts, 9 et demi, 9 1 quart, 9, 8,99, 8,99, mec il veut pas s'arrêter. Ah ! C'est pas lui ? C'était quoi ça ? Oh c'est un crisacier, merde ! Quel enfer. Bon bah écoutez, malheureusement je crois que on fait un dernier essai, mais je crois que c'est mort pour notre but bizarre, hein. C'est frustrant, hein. Qu'est-ce que c'est frustrant. Je comprends pas qu'il pop si peu. Parce que là, on est quand même sur un ratio de 2 bulles bizarres en 20 minutes. T'as un bulle bizarre toutes les 10 minutes, c'est pas possible. Voilà, un dernier. C'est pas possible quand même. Ah, j'avais prévenu que la fin de l'épisode serait dédiée à ça. Bah tant pis, de toute façon si on le trouve pas, le prochain épisode on va faire la route vers l'avant-ville. Eh ben écoutez, tant pis. Allez. Oh, j'espère au dernier moment mais... Tant pis, bon. Eh ben écoutez, on va au moins faire le trajet jusque là-bas. Et puis tant pis. Allez, hop là, tranchage, oui. On va reprendre la grotte au piqueur dans l'autre sens, on va remonter vers Azuria et on va se mettre devant la route pour le prochain. Un petit peu triste. Ouais, un petit peu triste parce que j'aurais bien aimé qu'on le chasse un peu, mais bon, il restait qu'une demi-heure. En une demi-heure, c'est difficile. Mais là, c'est difficile, mais normalement, t'en captures au moins quelques-uns. Là, genre vraiment, que dalle. Donc vraiment extrêmement triste. Hein. Remboursé ! Exactement. Tant pis. Allez hop. Ah ça c'est le vieux papy pervers. Bon, si on trouvait un trio piqueur pour nous réconforter, ce serait bien, non ? Alors, trio piqueur, je l'ai dit. Ouais, bah écoute, décidément. C'est pas notre journée. J'ai espéré pendant 2 secondes. Ça a dû sentir dans ma voix. Cette grotte est particulièrement longue pour rien. J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus longue. Un trio piqueur shiny. Ouais, bah alors c'est vraiment le Pokémon qui m'intéresse pas à trouver en shiny. Genre vraiment. S'il y en a bien. À la limite, un Hypnomade shiny, ça peut être sympa. Je sais pas quelle couleur il a, tu vois. Je sais pas. Je sais que Léo, il avait trouvé un Aquaquack shiny. Je m'en souviens. J'avais laissé mon Magikarp à la pension, je crois. On le récupérera dans un bout de temps. Pareil, hein, ils ont facilité l'accès à la pension. Avant, il y avait la petite barrière. Hein. Dracaufeu Shiny, c'est intéressant. Oui, bah oui, c'est toujours intéressant, bien sûr. Évidemment. Dracaufeu sera toujours intéressant. Toujours. Allez, bah écoutez, ça va être la fin de cet épisode dédié finalement à l'Océane. Dédié à l'Océane et à Major Bob. Hein.